Bonsoir mes amis, salam alaikum. Donc, aujourd'hui, le 29 donc, novembre 2021, je vais vous faire une vidéo très rapide à nos amis les Kabyles. Avant les élections, t'as les mairies et les API, j'avais fait une vidéo où une colte, je m'adressais au Kabyle, je me disais, baraquette, je vais lâcher le vote, et il faut participer à la vie politique en Algérie pour défendre vos droits, les droits d'accord, dans la région d'accord. Et j'avais demandé, comme il dit, vous avez un parti politique honorable d'Allah Rahman Aïd Ahmed, qui est le FFS. Honorable parce que c'est un parti d'opposition, mais nationaliste. Il a toujours été dans l'opposition, mais quand il s'agit de l'intérêt national, tel bled, il sait réfléchir, où il est pondéré, où il est sage, ou un homme, je lui tire chapeau. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Attention, il dit ce qu'il pense contre le régime, ou là contre le régime de l'époque, ou là contre l'actuel gouvernement. Il dit, mais je vous comment, le jour où il a fallu, il participe aux élections dans les mairies, les APW, et bien, au côté de comme un la vidéo de au côté de au lieu d'écouter le connard de Pradman, le Soula, garde France, Yahba, Yishrab, où il dit dans la main du Maroc ou main d'Israël, où il gueule, la Kabylie ne vote pas, la Kabylie ne votera pas. Et Hugo, la Kabylie, elle n'est pas bien, c'est-à-dire le pouvoir central, alors que rien ne prouve ceci. La Kabylie fait partie donc de l'Algérie, il y a les mêmes lois qui gèrent bien les wilayas. Peut-être qu'en Kabylie, c'est vrai, il y a un taux de chômage élevé, ça il faut le reconnaître, mais je m'agore à la Kabylie. Mais Farhad Mehni, le Soula, ils ont fait une affaire de commerce pour rester. Au Kurd Bili, que le Kabyle dans la région, ils se sont. Où ils ont voté pour choisir parmi la population kabyle, choisir leur représentant. Il n'y reste, il y a des robinets comme, où tu te fermes, où tu te fermes, on te fait confiance, tu défends la commune, le bdob la commune. On dit au Khmer, tu défends ta commune, tu défends Bledek. Et lorsqu'il est élu, il la population. La population de Smalou, il parle, si vous voulez, le même langage. Et en fonction des lois de la République, il y a comment défendre les intérêts de la population kabyle, de la kabyle. Zid, il y a frappé, oui. Membres de la PU, tous les budgets dans les communes sont présentés à la PU de la Wilaya, Bdjaya ou la Bouira ou la Tizi Ouzou, elles sont débattues, elles sont votées. Quand il y a des représentants élus de la région, ils donnent leur tablette et défendent leur. Si c'est bon pour la.
La commune, la Iberg, il votait aussi, c'est pas bon, mais votez aussi, c'est l'une. Et Ténia, ils ne permettront pas que le Wali il mette un ordre au président d'APC, élu, ou non, non, mais dire si M. Rouhadek, dire M. Rouhadek, le projet qui n'a pas été voté à l'API. Et que le nom, M. Louen. Non. Le projet Hada, que vous voulez me faire faire, il n'est pas inscrit dans le budget. Je le ferai. C'est comme ça. Tu as l'autonomie de la cabine. Hai, une autonomie. L'État est à part comme sur un plateau. Au culte, il faut aller voter. Rouhou, en force. Puisque les voyous, tellement qu'ils ont des chantages à la population, ils disent non, mais tu as de voter, sinon nous drapeau comme un balafri ou comme ceci, cela, ils sont en prison. Gars, ils sont presque en prison, sauf les Maharbani. Mais ils me recherchent. Il n'y a plus de chantage. Les lieux de vote. La preuve. Le vote à les mairies, les rapides, il s'est passé très bien. Mais qu'il n'y a aucune anicroche. Mais j'ai un peu, ma ksar zjaj, ma harg les urnes, ma j'ai un peu de bain. Il menace au fnas, rien du tout. Les gens qui ont voté, ils ont voté. Les gens qui ont voté, ils sont libres. Ils sont libres. Ils auraient dû y aller pour conforter le nom. Et il y a donc à l'Inakara, mais c'est vraiment le résultat final. Mais apparemment, le FFS en tête de classement à Tizouzou, de plus de 20 communes. Voilà, c'est l'objet, il bouillera partout. Ah, c'est une force. Le FFS fait des cadres valables qui savent gérer. Même Bekiri a fait gérer le FFS, Karim. Oui, ce sont des nationalistes. Mais tu brouges avec le parti de bourgeois, avec Mohsen Ben Abbas. Mohsen Ben Abbas, c'est un ennemi de l'État algérien. Je ne sais pas pourquoi il craint l'État algérien. Je n'ai pas. Bandit. Parce que c'est par rapport au Maroc, par rapport à Israël, par rapport à... Je ne sais pas. Mais il a eu une haine contre les dirigeants algériens. Et il fait tout pour saboter la marche de l'État algérien. La preuve, il fait tout. Mais merdez, c'est un petit parti. Il ne représente rien, Mohsen Ben Abbas. Il ne touche même pas les militants. Les militants, ils savent. Ouahed Kim Ben Abbas, quelqu'un, parti, nationaliste, il aurait dit un Marocain, sans papier. Il construit une villa, monsieur. Oui, j'aime le Maroc, mais j'ai dit le décor architectural. Dès le salon, ou le plafond, ou le grand. Ou même je me déclarais à la police. Et en plus, il est mort dans la villa de Mohsen Ben Abbas. Ou t'as vu l'histoire, ma chérie, l'enquête. Et jusqu'à ce jour, il n'est pas inquiété pour cette heure. Donc, je rends hommage au FFS. D'avoir fait le pas. Fait le pas. Oh, il n'a pas fait plaisir à l'État algérien. Au contraire, il s'est tissé, flacabiné, une base. Une base. Ils ont des représentants, ce sont des maires élus. Au dernier le premier pas, où je remercie. Le NES n'a pas voté, ils ont cassé un tabou, le khouf, la peur du MAC, parce que tous les voyous et les assassins d'un MAC sont en prison. Donc, la population n'a plus peur. Et c'est comme ça qu'on construit un pays, et la Kabylie fait partie de l'Algérie, c'est une très belle région. C'est vrai qu'elle a connu un déficit en investissement en termes de fleurs, mais avec les nouveaux maires,
avec leur orgueil, donc ils dorment au tabla, ils vont demander, à l'État algérien de leur donner les moyens pour construire des logements, pour faire, parce qu'il y a des investisseurs étrangers ou nationaux, il y a la main dans la main avec, un respect et avec toujours, l'intérêt de la bled qui prime. Et donc, Farhat Men est en train de se de pleurnicher, donc il va se mordre les doigts en sachant le taux de la vote les locales, donc il monte. Ça veut dire que les Kabyles, Chouraba, Tahla, je le dis toujours, on a d'âge, elle a les Soula, Tahla, les en France. Nadra Chouraba, cela veut dire, Billy Fa'olo, Billy Bluff, il prend de l'argent, c'est un salopard, c'est un trafiquant, oui, d'Ifdra'an, le Maroc, sur le dos de l'Algérie et sur le dos des Kabyles, sur la cause Kabyle, où il est en. C'est un agent d'Israël. Fakoul, je suis en train de faire, mais la bouche bleue. Les Maïchines, très très bien en Algérie, sont très respectés, les Kabyles. Parce que, sont respectés. Déjà, ils se font respecter. Ou c'est des gens, Mechafouj, Yahadro, et. Quand ils ont, ils le disent. Et je pense que les choses ont changé avec le nouveau président et la région de la Kabylie va retrouver vraiment, va retrouver Hokoka, les Rahtera pendant 25 ans là-dedans. Allez, salam alaikum.